dernière ligne droite avant d'arriver à Lyon. On est chaud, on lâche rien, on lâche rien. Nouveau jour, nouvelle étape. Aujourd'hui à 3, les équipes de Hed sont mobilisées. Il paraît que Jacques Chirac a été à l'impulsion de la création du Fonds mondial. Qu'est-ce que tu penses du rôle du Fonds mondial ? Qu'il est très très important afin de maintenir un niveau de vie correct à toutes les personnes séro-concernées, séro-positives et toutes celles malheureusement qui s'ignorent encore actuellement. C'est une initiative qui permet de sensibiliser toute la population par rapport au fait que le sida est toujours présent. Cet investissement aujourd'hui est vraiment très nécessaire et j'espère que les gens vont y être sensibles. C'est super gentil. Voilà. Merci beaucoup. Vous vous rappelez de votre passage à 3. C'est super. Vous ne contaminez plus si vous prenez bien votre traitement, une bonne observance du traitement. Ça change la vie. Ça change la vie. On a tout ce qu'il faut pour mettre fin à l'épidémie et aujourd'hui, c'est toujours la même chose, hein. C'est les moyens financiers. Le message ne peut pas être plus clair. Rappelez que ça existe toujours et qu'on est tous concernés. Cette belle ville de Troyes, il y a des postes et que je vais du coup poster les gardes postales. Ah ouais, t'as la masse là. Ça va dans les boîtes de l'Elysée encore. Tu sais qu'ils m'ont demandé d'arrêter, hein. Ah oui, ils m'ont dit non, stop, là ça va, on les a reçus hein, les boîtes, hein. Maintenant on a compris. T'en as combien, tu les as comptés ou pas? Là, il y en a facile, alors, je les ai pas comptés, mais à vue d'œil, il y en a facile 300. Monsieur le Président, on est tous mobilisés pour en finir avec le sida. Monsieur le Président, la fin du sida est possible si on s'en donne les moyens. Il faut augmenter la dotation au Fonds mondial. Monsieur le Président, hein, à très vite. Hein. Encore un petit problème technique. Mon garde-boue garde bien la boue. C'est quand même cocasse.